Bonjour à toutes et à tous. Deux étudiants inscrits en Digital e-Business and Media Management DBM à Instinct Video Leader ont présenté mardi dernier leur rapport de fin de formation suivi d'une présentation visuelle. Tenue dans les locaux du 10 centre, la présentation s'est faite devant un jury compétent. Le point. Comme l'indique le processus de formation à Instinct Video Leader, tout étudiant en Digital e-Business and Media Management DBM doit présenter à la fin de sa formation un rapport. Ainsi, suite à la validation des modules enseignés au cours de leur formation, ces deux stagiaires DBM, comme ils sont qualifiés pour ce complément de compétences, se sont prêtés à l'exercice de présentation de leur rapport pour l'obtention de leur parchemin. Effectivement, ce soir, nous avons deux impétrants en matière de DBM, dont deux stagiaires, hommes et femmes, qui ont fait leur planche pour présenter leur rapport de fin de formation. Et comme on le dit tantôt, le thème, après une formation, il faut forcément faire un bilan et justifier ce qu'on a à retenir et à quoi est-ce que ça pourrait servir. Alors, ils se sont prêtés à cet exercice cet après-midi, dans le but de nous faire voir un peu tout ce qu'ils ont eu à retenir en matière de formation d'IBM qu'ils ont suivi, en matière d'expérience et autres. Et Amour et Sardes. Amour qui a fait le Ghana déjà avant de venir ici, est une technicienne hors pair, non négociable. Vous la prenez, vous avez un produit fini. Sardes, Benino, il n'a pas encore fait l'anglais, mais déjà c'est un technicien pur sang. Durant près d'une heure, les imprétants ont eu à défendre leurs travaux de recherche, suivis des critiques et suggestions faites par les membres du jury. Des remarques pertinentes en vue d'améliorer leurs différents thèmes développés. Il y a un système de verrouillage qui permet de sécuriser les données qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous avez votre dispositif et que vous le perdez, n'importe qui vous trouve ça ne peut pas l'utiliser et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà ce à quoi faire les dispositifs et Boston. Dans le document, heureusement, dans votre démonstration, peut-être dans votre présentation tout à l'heure, vous nous avez notifié que le port USB est utilisable dans presque tous les ordinateurs de Mac et autres. Mais quand moi j'avais lu le document, j'ai pensé que c'est la Mac et plus seulement. Nous avons les intérêts du choix et les attentes au niveau du savoir du riz là et les déroulements du projet. D'abord, nous allons plus nous baser sur les intérêts du choix et les attentes au niveau du savon de riz. Les intérêts avec le savon de riz, c'est quoi? C'est un savon qui hydrate d'abord la peau et c'est adaptable à tout type de peau. Parce qu'on vous a exigé un certain nombre de pages, vous avez juste mis, il y a trop d'espace. Après avoir prêté une oreille attentive aux différentes remarques faites par les membres du jury, les imprétants pourront désormais parfaire leurs travaux pour être éligibles au marché de l'emploi. Ma présentation s'est bien passée et tout s'est bien passé. J'ai pu apprendre également sur mes erreurs et je pense qu'avec ça, je vais pouvoir m'améliorer sur le dépôt final de mon document. Je dirais que ça s'est bien passé. Ça a été, après la présentation, ils ont quand même notifié nos points d'ombre, tout ce qui ne va pas avec notre présentation, notre rapport et autres. Aujourd'hui, ils ont soutenu sur le DBM, c'est-à-dire la création de contenu et la gestion des médias, des réseaux sociaux. Et je vous avoue que c'est de bons produits pour le Bénin. Et pourquoi nous allons vite aujourd'hui pour vous inviter les Béninois à nous suivre? Le temps n'a plus notre temps. Donc il faut aller vite, vu l'évolution des choses, vu l'évolution technologique, vu le processus de la digitalisation. Donc dès que jeune est prêt, il faut le booster, il faut l'accompagner, il faut l'amener vers les milieux d'opportunités. Convaincu de revenir avec des documents de qualité sur la base des suggestions du jury, ces deux étudiants sont d'or et déjà fiers d'être un exemple pour les promotions futures. Centre international des métiers de l'audiovisuel et du digital du Bénin. Instinct Vidéo Leader, des diplômes en audiovisuel et en digital reconnus par l'État. DBM, réussir l'instant. Réussir l'instant. DBM, réussir l'instant. DBM, réussir l'instant.
Esther. Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. À bientôt!